Cette peinture date du IIe siècle. Quant à l'auteur, on ne peut pas dire qui il est puisque c'est quasi impossible. Cette peinture représente le cycle de la résurrection, la réconciliation de Dieu avec sa création grâce au rachat de l'humanité par le sacrifice divin. Et c'est une explication picturale et théologique de très haute volée qui est faite par un peintre qui l'a traduit d'une façon magistrale et qui est perceptible par tout le monde, pas forcément les plus savants en théologie. Comme dans toute restauration actuelle, il n'est pas envisagé de restituer les éléments manquants, sinon de les évoquer à minima. Il faut savoir que cette peinture a été sans doute masquée au XVIIe et qu'après, on a sans doute tapé dans le mur, au gré des besoins. Et donc, on a certains endroits qui ont été mutilés. Et là, on n'interviendra pas du tout en restauration, mais en harmonisation de l'ensemble. On ne veut pas fausser le document. Donc, on essaye de garder le plus de la matière originale. Mais par contre, on ne vient pas interpréter ce que l'on ne comprend pas ou ce que l'on ne perçoit pas. On n'imaginait pas qu'il y ait une peinture de cette qualité dans l'église Saint-Cernin. C'est une sorte de joconde de la peinture murale que tous les historiens toulousains et même les amoureux de la peinture murale romane savent apprécier.